Et salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines de collection peintes à la main super-héros des films Marvel Eagle Moss. Aujourd'hui, c'est la numéro 4 et aujourd'hui, c'est Thor d'après le film Thor, le monde des ténèbres. Présentation tout de suite. Donc Thor, le dieu nordique et membre fondateur des Avengers, joué à l'écran par Chris Hemsworth. Donc voilà. Donc voilà, comme d'habitude, ce livre présente l'acteur, non, le personnage, l'acteur, les coulisses et l'heure de gloire. Derrière le livre, on a l'affiche de Thor 2, qui a été réalisée par Alan Taylor, qui est sorti en 2013 avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Jamie Alexander, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston, Idris Elba et Christopher Eccleston. Désolé pour la prononciation. Donc voilà pour ce livre sur Thor. Voilà, une petite image avant de passer à la figurine. Voilà. Donc ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'elle est beaucoup plus imposante que les autres figurines, faisant un peu une allure de dieu, hein. C'est celui qui est en haut de tout le monde. Donc voilà, ouverture tout de suite. Certificat d'authenticité. Et voilà la figurine de Thor. Donc vraiment plus grande que les autres. Une très bonne matière. La cape est magnifique. En mouvement comme ça. La chevelure aussi, parfaite. Elle est vraiment, vraiment réussie. Elle a un peu la tête vers le bas, donc c'est légèrement dommage. Mais pas de quoi cracher sur cette figurine qui est vraiment, elle est vraiment réussie, plus lourde que les autres en termes de poids, c'est assez incroyable. Ensuite, voilà, oh, une poêle de mon chien. Hop, voilà. Donc le logo de Thor, donc la Mjolnir, le marteau aussi bien fait avec. Non, elle est vraiment magnifique. Peut-être les oreilles qui ressemblent plus à des oreilles d'elfe, mais voilà. Malgré tout, c'est une magnifique figurine. Qu'est-ce qui va nous attendre dans le numéro 5? Dans le numéro 5, on restera dans l'univers de Thor, plus précisément dans l'univers des Avengers, avec le frère de Thor, qui n'est autre que Loki, le traître, excusez-moi, Asgardien, le dieu du mensonge aussi. Donc voilà, dans le numéro 5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez des j'aime, des commentaires. Et abonnez-vous!